On dit coucou à la caméra. Aïs, on dit coucou à la caméra, c'est bien. Qu'est-ce que j'aime bien, moi, la nature. C'est trop beau. Il n'y a plus d'eau dans les rivières à cause des sécheresses, même ici, tout le bord du lac et tout, il n'y a plus d'eau. Alors qu'il y avait plein de pêcheurs qui pêchaient tout là, et à cause de la sécheresse, il n'y a plus d'eau, mon petit chat. Elle veut y aller. Allez, viens. Alan, vite. Viens là. Thaïs. Thaïs. Attention Alan. Non Alan, tes baskets. Oh, lui il ne comprend rien, lui. Ça y est. Elle est belle. Mmh, elle est trop belle. Elle est trop belle. Voilà. Okay. Allez, vous ouais, que le caillou. Ouais, t'as vu? C'est bien ça. Alan, tes baskets! Sors de là! Ah ouais, Alan, tes chaussures. Sors de là! Sors de là! Ah ouais! Il n'y a rien! Oh! Elle est belle là, la couleur de l'eau, ouais! T'appelles ça beau? Bah oui! Non, il n'y a pas l'eau.
glisse, non. Vas-y, essaye de jeter à ras de terre, à ras. Toi, essaye. Non, j'arriverai plus, je vais faire côté de gêne. On va pas vous dégaler. Faites-le. Non. S'en fout, bébé. On va manger. Bonjour, bonjour mes petits chats. Donc je vous prends aujourd'hui, nous sommes lundi 10 octobre, il est 7h36. Comment allez-vous? Vous allez bien? Moi je vais bien. Bah écoutez, aujourd'hui vous aurez une vidéo, attendez je me gratte l'œil, hop, vous aurez une vidéo que hier j'ai été promenée au parc de Vingles avec mon fils, ma belle-fille, Alan et le chien. Ensuite, sur cette vidéo, vous aurez un retour de produits d'entretien alors que je vais vous faire là maintenant. Et le nettoyage de salle de bain. Donc, on commence. Donc, je vais vous donner les prix en même temps, mes petits chats. Comme ça, ça sera plus simple. Alors, j'ai pris ça, le clair, hein. Le Sanitol, le désinfectant du linge anti-odeur, fleur blanche. Élimine microbes et mauvaises odeurs, détruit 99,9% du Covid. C'est ça qui est marqué, virus du Covid, ouais. Sans javel, donc voilà. Et c'est un 500 ml. Donc le prix, je prends dans l'ordre, 2,94 €. Voilà. Ensuite, les éponges Spontex, donc deux, hein, deux éponges grattantes Stop Graisse, propre plus longtemps, protection anti-graisse. Là, ici, protection anti-graisse. Voilà, parce que j'en ai plus, puis moi je les change toutes les semaines. Hein. Alors, on peut les passer à la machine à laver. Là, regardez. Là, ici. Là. Oh. Ouais, mais non. Moi, je vais l'acheter qui résiste à l'eau de Javel diluée. Ah bon? Ah, bah, écoutez. Voilà, quoi.
Alors, ça m'a coûté au prix de 1,44€. Pour ça, au prix, je ne vais pas les passer à la machine. Je vais user plus, je vais user de l'eau, de l'électricité. Alors que c'est vite fait d'en racheter. Alors, j'ai trouvé ça hier. Écoutez, ma foi, on va essayer. Donc, c'est ça. Spray induction vitro, l'arbre vert, 250 ml. Vous voyez bien? Donc, écoutez, j'ai vu ça. Nettoyant écologique, dégraisse février sans rayer. Approuvé, alors fabriqué en France, approuvé par les médecins d'aller bazar, je ne pourrais pas le dire. Mais attendez, comment on doit l'utiliser? Attendez. Hein. Mode d'emploi, tourner l'embout en position spray, vaporiser sur les surfaces froides à nettoyer, puis passer une éponge humide pour éliminer les saletés, essayer avec un chiffon doux, ouais, d'accord. Ouais, bah, écoute, on verra. Hein. J'ai vu ça hier à Leclerc, j'ai dit, ah, pourquoi pas. Donc, il m'a coûté 2,88€. Parce que j'ai pris ça vendredi à Carrefour. J'ai pris celui-là, le Vitroclen, induction, protège anti-rayures, ultra brillance. Mais pour moi, il laisse encore des traces. Enfin, je suis pas satisfaite à 100%. Et j'ai payé 5€. Voilà. Donc là, on verra. J'ai pris ça. Écoutez, on verra. Voilà. Ensuite, je vous ai dit le prix. Oui, 2,98€. Et le pareil, mais spécial inox. Donc, c'est des petites bouteilles à 250 ml. Donc, l'arbre vert, nettoyant écologique, spécial inox, nettoie, élimine les traces. Donc, on verra. Je vais voir avec ma hotte et puis le truc du four. Voilà. Je me dis, ouais, ça va, c'est pas trop cher. 2,98€. Et j'en faisais un aussi pour, attendez, l'inox. Et j'hésite entre lui et l'autre, mais je sais plus. Eh bien, écoutez, je sais plus. Je le prendrai la prochaine fois, comme ça, vous le verrez. Voilà. Ensuite, ce que je prends dans l'ordre, hein, mes petits chats, attendez. Hein. Ça, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Alors, ça. J'ai pris des gants jetables. Taille 6, 1,77€. Pour quand je nettoie mes toilettes à fond, vous savez, j'aime bien quand même mettre des gants. Donc, souple et résistant, contact alimentaire, latex naturel. Même ça, quand je fais de la chie, vous savez, une préparation d'achille ou quoi que je dois mettre, ben, je mélange en fait. Donc, les gants, 1,77€. Bon, comme ça, marque Leclerc. Ah, là, c'est ça. Attendez, faut que je les prends. Alors, j'ai pris une bougie comme ça, comme cela, comme ça, ouais, comme ça. J'ai enlevé la truc parce que je voulais les allumer hier soir, mais je ne les ai pas allumées. Donc, c'est vanille caramel. Non, si, vanille caramel au prix de 1,85€. Qu'est-ce qu'ils ont remonté les bougies à Leclerc? Et j'ai pris la même vanille. Elles sont bonnes. Attendez hein, que je regarde. Attendez. Hein. Vanille caramel. Ou c'est vanille caramel celle-là? 1,85€. Et bougie d'hiver, 1,85€. Donc ça, c'est cannelle, je sais plus quoi. Voilà. Je vais les poser là. Ensuite, mèche. Donc, j'ai pris ça pour la salle de bain. Bien R. Marque Repère, fruits rouges. Efficacité 8 semaines. Neutralise les odeurs. Mais écoutez, on verra bien. 375 ml. Je sais pas si vous mettez ça, vous, dans vos toilettes. Parce que je veux que ma salle de bain, elle sent bon. Donc, j'ai pris ça, mes petits chats. Attendez, cherchez le prix maintenant. Là, 1,45€. Ça, c'est bon. Voilà. Ensuite, alors ça, c'est fait, c'est fait. J'ai pris ça parce que j'étais à Action l'autre fois et j'ai oublié. Et je pensais trouver
Donc la bicarbonate, attendez, est-ce que vous avez la lumière ouais, ça va, je pense. Le bicarbonate, mais j'ai pas trouvé le prix. Prix bicarbonate à Leclerc, j'ai trouvé que lui. 500 grammes, 1,59€. Donc dites-moi, je ne sais plus si l'action est moins chère ou plus chère. Je sais pas. C'est vrai que je devrais faire attention, quoi. Je vais regarder, tiens. De toute façon, je dois y aller cette semaine pour acheter le casier à l'âne, mais je vais regarder, tiens. C'est que c'est un truc que je pense pas à faire. Ensuite, bon, je vous l'ai fait voir dans la vidéo, mais j'ai acheté un produit hygiène, vous savez, pour détartrer toute la cafetière. La machine à laver. Donc, c'est nettoyant et hygiène, lave-linge, désinfecte, élimine durablement les mauvaises odeurs, nettoie en profondeur, tue 99,99% de virus, bactéries et levures. Au charbon actif, fraîcheur, citron. Une utilisation égale 250 grammes. Voilà, donc c'est original Dr. Beckmann. Donc, ils disent, versez le contenu de 250 grammes directement dans le tambour de votre machine à laver. Démarrez un programme de lavage au moins 60 degrés sans pré-lavage, sans lessive et sans linge. Une fois le programme terminé, utilisez la machine à laver comme habituellement. À conserver dans un endroit sec et frais. Et puis voilà, mes petits chats. Voilà. Ça, je pourrais le mettre à la poubelle. Ah, ben je le ferai voir après ça. Alors, j'ai pris canard WC comme ceci. Je crois que je ne vous ai pas dit le prix du Dr. Beckmann. Attendez. Hein. 2,86€. Canard WC. Marine. 750 ml. Gel action intense. Désinfectant marine. 50% de plastique recyclé. Ben, voilà. Application précise. Précise jusque sous les rebords. C'est Johnson. Donc, tue 99,9% des bactéries. Voilà, mon petit chat. Je ne l'ai même pas encore senti. Je l'ai pris et ce que j'aime bien changer aussi tout le temps. Attendez. Ouais, sent bon. Sent bon. Donc, voilà. 750 ml au prix de 1,89€. Voilà, voilà. Voilà, ensuite, ça c'est fait, il n'y a que ça que je dois vous faire voir. Vaporisateur ambre, c'est quoi de ça? Alors, c'est peut-être ça, non? Bon, attendez, il y a un truc que je ne comprends pas, là, c'est quoi? J'ai pris mon sif à récurer, original 750 ml, 1,53€, mes petits chats. Ça, vous savez. Donc, lui, ça... Donc, mes chouchous, c'est ça, ça et ça. Voilà. Voilà. Voilà spécialement avec quoi je nettoie toute ma maison. Voilà. Voilà, mais ça, c'est mes numéro 1. C'est mes top 1. Ça, c'est vraiment mes chouchous, quoi. Voilà. Alors, j'ai pris le spray Javel Lacroix. Le spray avec Javel, ultra dégraissant, dégraisse à fond. Détruit les mauvaises odeurs, désinfecte, tue 100% des bactéries, virus et microbes. Et je prends que celui-là. Quand il n'y a vraiment plus celui-là, je prends celui-là qui est marqué 5 en 1, le bleu, je crois. Mais sinon, c'est toujours celui-là que je prends. Donc celui-là, il coûte 2,29€. Oh putain. Oh, excusez-moi. Je me suis trompée. Non, 1,17€. Ça, c'est la croix gel WC. Qu'est-ce que j'ai pris la croix gel WC, c'est ça? Ah non, c'est ça mon petit chat. Je dis mince. Voilà, j'en ai déjà mis un dans le toilette, qu'on avait deux. Donc c'est au bleu. Donc c'est au bleu 3 en 1, hygiène maximum anti-tartre, désodorisant. Regardez, font voir la chasse d'eau là. Il faut que vous le mettez dedans en fait. J'en ai déjà mis un, regardez, il y en a deux. Voilà, j'avais la croix. Comme ça, ça me désinfecte tout en même temps le bloc chasse d'eau, la chasse d'eau et tout ça. Donc ça, au prix de 2,29€. Le sif, 1,53€. Et le spray Lacroix Javel, 1,17€. Voilà.
Ensuite, ce n'est pas fini. Ben, ils m'ont mis où? Ah non, attendez, mais ça, je n'ai plus pris, j'ai jeté mon ticket. Ah ouais, j'ai repris du vinaigre blanc à Leclerc. Voilà. Et là, et puis à ça. J'ai pris ça, mais je ne vois pas le prix. C'est pour mettre aussi dans ma salle de bain. Donc c'est Galbe. Alors attendez, hein, que je regarde. Ah ben si, hello Galbe. 3,60 €. Eh, franchement. 3,60 € ça, hein. Mais je l'ai pris parce que je veux absolument que mes toilettes sentent bon. Hein. Mais franchement, c'est pas abusé. Trop abusé, franchement, je suis dégoûtée, quoi. Donc la fraîcheur se diffuse avec une seule touche utilisée avec ben, le modèle. Hein. Voilà, ça là. Ces senteurs relaxent zen. On verra, ouais, écoutez. Mais c'est abusé. Franchement, c'est abusé. Voilà. Et après, j'ai pris une bombe d'Airwick. Non, c'est pas Airwick, attendez. Donc, j'ai pris ça aussi. 2,29 €. Ça aussi, ça remontait. C'était un, ben, ça remontait d'un euro, parce que je crois que c'était 1,29 €. Donc, c'est fruits rouges. Voilà. Que je vais le remettre. Tout y a remonté. Et la viande, franchement, c'est vrai que c'est abusé. Franchement, c'est. Non, ça va trop loin. Hop. Ah, vous avez été parfumé, mes petits chats. Alors, maintenant, on va passer à Stokomani, mais je crois que j'ai jeté le ticket de caisse. Je vais regarder, attendez, mais je crois que je l'ai jeté. Alors, ouais, j'ai jeté mon ticket de caisse de Stokomani, bah tant pis. Donc, à Stokomani, j'ai pris la lessive. Alors, dites-moi, parce qu'à Stokomani, il y a de la lessive, c'est la marque X Extra. Mais je sais pas, après, c'est peut-être, ça vient peut-être de moi, mais j'ai jamais voulu prendre cette marque de lessive en fait. Donc pour moi, je pense qu'elle ne fonctionne pas. Donc dites-moi vous en commentaire si je peux éventuellement la prendre ou pas. Parce qu'elle vaut le coup X Extra à Action. Je ne pourrais plus vous dire, je l'ai vu à 6, je ne sais plus. Je ne sais plus. Enfin bref. Donc dites-moi. Donc là, j'ai pris Le Chat parce que moi, j'aime bien la marque Le Chat. Jardin d'été, 40. Lavage, prenons soin de l'essentiel, 40 lavages, j'espère, efficacité pure, donc senteur jardin d'été, efficacité dans le lavage en froid. Et c'est vrai qu'ils sont bons. Ils sont super bons, mes petits chats. Donc voilà, 2 litres. Et pareil, hein, il faut voir, surtout, regardez bien. Hein. Moi, je respecte tous les consignes. Là. Que ça soit lessive, produits d'entretien et tout, je respecte tout le temps. Comme là, ils disent, pour 6 à 6 à 8 kilos, et je vois rien du tout. Alors. 6 à 8 kilos, dureté de l'eau, donc sale, pure. Et moyenne dure 75 millilitres, dure et très dure 100 millilitres. Donc ça dépend de votre eau, comment elle est quoi. Donc maxi dose de 9 à 10 kilos plus 500 millilitres. Donc un bouchon comme ça, c'est 50 millilitres. Attendez. Voilà. Quand vous remplissez un bouchon comme ça, c'est 50 millilitres. Voilà. Très sale 100 millilitres. Dureté de l'eau, bah ouais, c'est toujours avec l'eau en fait. Voilà, 2 litres. Par contre, quand je prends tous les produits ménagers, bah souvent à Leclerc, ça m'arrive. Je revise parce que combien de fois que j'ai le tour, qu'il y a un truc même en spray, hein, que c'est mal fermé ou quoi, puis tout il coule. Même à Lidl, j'ai déjà eu le tour avec le savon noir. Et après, vos aliments, ils ont le ascenseur. Du coup, qu'est-ce que je fais maintenant? Je prends plusieurs sacs. Je prends un sac rien que pour les produits ménagers, comme ça ils ne sont pas mélangés avec les aliments. Parce que je vous dis, j'ai eu le tour deux, trois fois et zut quoi. Après l'aliment, on est obligé de le jeter quoi. Enfin. Ensuite, à Stokomani, j'ai pris ça parce qu'il n'y avait plus celle que j'avais pris la dernière fois là. Donc écoutez, j'ai pris celle-là, la Soupline, soin complet, concentré.
Bah écoutez, la senteur, je sais pas. Pour moi, c'est aux fleurs. Hein. Estradoux, blanc éclatant, anti-faux-plis. Oh, j'avais pas vu. Regardez, il y a tout des. J'avais jamais fait attention. Vous avez vu? Donc, éclat des couleurs, anti-plis, blanc éclatant et estradoux. Soupline concentrée, soin complet, complet, mais il n'y a pas la senteur. Bah écoutez, mais ça, je sais pas, je le fais encore. Ah ouais, punaise, waouh. Bon, il sent bon là, j'espère qu'il va sortir bon sur le linge. Voilà, celui-là. Et c'est un 34 lessives. Et j'ai pris celui-là, le Lénor. Attendez, parce que comme il y a la lumière. Donc pareil, 40 lessives, Lénor. Je ne l'ai pas senti non plus, Tocomanie. Donc 3 fois plus de lavage par litre. Lavande. Et lavande, je l'avais pris en marque Souplina, Tocomanie, qui sentait super bon. Mais là, il l'avait pas, mes petits chats. Donc la lavande, 40 machines, parfum de synthèse. Et c'est 1 litre. Donc voilà, je voulais prendre les billes, mais j'ai pas trouvé celle que je voulais prendre. Ah, Leclerc, je ne l'ai pas pris parce que là, Leclerc, ça coûte un bras. Donc dites-moi, je sais plus. Ah ouais, pour la lessive, X-Extra, si vous la prenez ou pas. Donc voilà, donc on va passer au nettoyage de la salle de bain maintenant, mes petits chats. Et j'ai oublié de vous dire, mes petits chats, j'ai pris ça à Tocomanie. Donc papier toilette, il y en avait 24 plus 8, ça fait combien? 32 rouleaux, excusez-moi, j'ai baillé en temps. Donc, combien je vous ai dit? 24 plus 8, 32. Donc la marque Trèfle. Généreux par nature. Qu'est-ce que je peux vous dire après sur le papier toilette? Ben, il est blanc. Voilà. C'était 6. 6 et quelque chose. Donc, je l'ai pris. Je dis, c'est vrai que c'est pas cher. Parce que moi, je l'ai pris à Lidl. Je sais plus. Je vais vous dire une connerie. Je crois que c'est 12 rouleaux. Non. Oh, je sais plus. C'est pas 12 rouleaux pour 5 et des brouettes. Oh, je sais plus, fait comme ça. Je sais plus si c'est 12 ou 24 rouleaux. Enfin, je sais plus. Donc là, il vaut le coup à Tocomanie, quoi. Donc si vous allez à Tocomanie, prenez-le. Donc passons au nettoyage de machine. Donc, comme vous aurez vu auparavant, au début de vidéo, que j'ai mis la poudre Dr. Berg, je sais plus quoi. Pour faire un bon nettoyage dans la machine. Donc ça, il était temps parce que ça faisait déjà plus de 6 mois que je ne l'avais pas fait. Même qu'on met du vinaigre blanc et tout, mais je préfère quand même faire un bon nettoyage. Moi, la lessive, après, elle sent bon. Donc après, moi, qu'est-ce que je fais une fois par semaine? C'est que je nettoie tout le bac où on met la lessive, l'adoucissant, tout ça, je l'enlève. Je nettoie tout bien, je mets un coup de brossette dedans de chez Action, là, la brossette j'avais acheté à Action. Et je nettoie bien, je rince bien, je reste au sec et je remets. Parce que bon, moi je ne mets pas de lessive, mais je mets mon adoucissant. Et je mets des gouttes de vinaigre, enfin quelques gouttes de vinaigre blanc, mais je préfère quand même nettoyer quand même une fois par semaine. Et si vous faites ça une fois par semaine, franchement, votre machine, elle sera toujours impeccable. Donc de là, je pulvérise, elle commence. Ma petite solution que j'ai fait la semaine dernière, le vinaigre blanc, eau et quelques gouttes de produit vaisselle. Donc j'en mets partout. Par contre, frotter super bien, c'est le joint. Vous savez, vous avez un creux là dans le joint, surtout là, parce que la saleté, elle stagne au niveau de l'eau. Et c'est si vous la faites jamais, c'est là que l'odeur, elle va venir, parce que ça stagne, vous avez fait des machines et tout ça, tout s'incruste, tout, voilà, les dépôts de lessive et tout va venir s'installer ici, en fait. Donc, comme je vous dis, moi, à chaque machine, je prends une microfibre sec et je frotte tout bien le contour, en fait, le joint bleu, là, que j'ai en train de bien frotter. Lui, je le fais tout le temps à chaque machine que j'ai fini. Lui, automatiquement... je le fais.
Dans la lancée, après, je fais toujours le hublot et tout, logique. Mais une fois par semaine, je fais le bac. Vous savez qu'on met l'adoucissant et tout ça. Au moins, votre machine, elle est toujours propre, 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 propre. Comme ça, après, c'est bien nettoyé. Vous pouvez faire une bonne machine. Et votre linge, il va sortir super beau, n'importe quoi. Oh, donc là, c'est la première partie, la salle de bain. Vous savez très bien que salle de bain, c'est en deux parties parce que ça m'esquine de faire ma salle de bain. Puis elle est petite, je sais pas quoi, à chaque fois, je suis obligée de bouger le trépied. Enfin, bref. Donc, qu'est-ce que je vais faire cette semaine? C'est par exemple, ben, jour 1, jour 2, salle de bain. Jour 3, le salon. Jour 4, la cuisine. Jour 5, faire les chambres et le sas. Voilà. Est-ce que ça vous convient comme ça, mes petits chats? Donc, machine nettoyée, bien séchée. Donc là, je passe à faire une machine. Donc, je mets un bouchon de ma lessive le chat dans mon bidule chouette. Je le mets au fond de la machine. Comme je vous dis, je ne mets jamais de machine, de liquide, de comment on appelle ça? De lessive dans mon bac. Donc voilà, je mets ma lessive dans mon bazar là, et puis je mets dedans et je mets mon linge. Donc comme c'est une machine couleur et puis il y avait beaucoup de serviettes et puis quelques linges de moi, ouais, il n'y avait personne d'autre je pense. Donc je fais à 30 degrés. 30 degrés, il y en a assez. En fait, si vous faites des machines à 30, si vous avez l'habitude de faire des machines à 40, essayez à 30 déjà, vous allez économiser au niveau de l'électricité. Et ça lave aussi bien. Il y a vraiment que là, mes torchons, une fois par mois, je le fais pas tout le temps, je fais une fois par mois mes torchons à 60 degrés. Mais sinon, toutes mes autres machines, je les fais à 30. Donc voilà, j'attaque ma douche. Donc je pulvérise de mon antical pour ma paroi de douche. Donc j'asperge bien, même ma douche et tout, j'en mets partout. Et après, je vais laisser agir, je crois 15 minutes, je crois le temps que ça prenne bien. Et puis après, ben, j'ai nettoyé. Et j'ai rajouté aussi de la javel lacroix là, sur les joints, parce qu'ils ont tendance à jaunir, hein. C'est chiant quand même. Bon, après, j'avoue que ma douche, je la fais pas tout le temps, j'aime pas faire ma douche. Et là, franchement, elle en avait besoin. Ben, normalement, c'est une fois par semaine. Mais si je la fais tous les deux semaines et demie, c'est beaucoup. J'ai horreur, ben, surtout avec mon dos et tout, j'ai horreur de faire la douche. Mais de toute façon, dans tous les logements que j'ai eu, la pièce que je détestais plus le faire, c'est toujours été la salle de bain. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours détesté nettoyer les salles de bain. Je ne sais pas vous, si vous avez une pièce que vous préférez bien nettoyer et une pièce que vous détestez nettoyer ou un repassage. Il y en a, ils préfèrent le repassage, ils n'aiment pas le repassage. Il y en a, c'est les carreaux. Mais moi, je vous promets que les salles de bain, c'est une hantise. Mais une fois que j'y suis, ça y est, c'est parti. Mais je déteste faire ma salle de bain. Donc, j'aspergeais au niveau du bitonio. Là, vous savez, le siphon de la douche, à chaque fois que je fais ma douche, pensez à le faire aussi. C'est vous enlever la grille. Et puis moi, j'ai un truc en plus gris pour les odeurs, quoi. Donc, j'enlève les deux. J'ai mis de l'eau bien chaude dans ma bassine. Et j'ai mis de la javel. C'était au à la menthe, un truc comme ça. Et regardez les cheveux et tout, vous voyez. Donc, j'ai bien aspergé et tout. Et après, j'ai tout nettoyé de toute façon. Et dans la bassine, j'ai bien laissé agir. Tout le temps que j'ai nettoyé la douche, ça agit.
Donc j'avais bien rincé ma paroi de douche, ben, j'ai tout rincé en fait, mais je ne l'ai pas fait voir, j'ai passé des étapes, sinon la vidéo elle va durer une éternité. Donc j'avais tout rincé ma douche, j'ai raclé toute ma paroi et tout ça, et de là j'ai repassé un coup de mon produit vinaigre blanc, eau et puis produit vaisselle, j'ai aspergé partout et j'ai redonné un coup. Moi, si on me dit que ma douche est pas propre, ah ben je peux vous dire, vous pouvez venir vérifier. Hein. Ah, ça c'est clair. Donc sur mon raclot, j'avais mis aussi une microfibre. Oh, j'ai du mal à parler moi ce matin, ça m'énerve. Hein. Une microfibre sèche sur mon raclot pour moi bien frotter en haut. Et il faut que j'achète et j'arrive. À chaque fois, je vous dis, je dois acheter un truc pour bien aller au carrelage en haut, mais j'oublie à chaque fois. Donc là, je passais aux toilettes. Donc, j'ai bien pulvérisé avec mon Javel Lacroix tout mon toilette. Tout partout, partout, de haut en bas. Voilà. J'ai mis du gel Javel dans la cuve. Et j'ai pris l'éponge que je m'avais servie pour la douche. De toute façon, c'était pour jeter à la poubelle. Donc, comme j'avais déjà nettoyé ma douche et tout, que j'ai pu retourner dans la douche. Et que l'éponge, de toute façon, je l'aurais mis à la poubelle. J'ai dit, ben, j'ai nettoyé tout mon toilette avec ça, comme ça. Ça sera fait. Donc, j'avais mis une paire de gants parce que là, je nettoyais à fond, à fond, à fond. Donc, j'avais laissé ma brosse aussi dedans, comme j'avais mis de la Javel, comme ça, elle trempe dans la Javel. Nathalie, elle frotte, elle frotte, elle frotte, elle frotte. Donc, je frottais avec du papier toilette pour sécher. De toute façon, c'est du papier toilette. Au moins, je ne reprends pas une microfibre pour sécher le toilette. Et après, reprendre une microfibre parce que je vais encore bien ressuyer, remettre mon produit vinaigre blanc, tout ça. Mais je crois que je voulais passer aussi l'étape là. Donc, voilà. Là, je reprends la microfibre. Je redonne un coup de sec partout, partout, partout. J'avais aspergé, je vous dis, sur ma microfibre le produit, le vinaigre blanc et produit vaisselle. Et je redonne un coup partout, partout, partout. En entendant la brossette, elle l'égoutter. Donc j'en avais fini avec le toilette, donc là ma machine a été finie, a été pendue. De là je repasse, je remets une machine de mes tapis, mes lavettes, mes microfibres, enfin tout ce que je me suis servi dans la salle de bain, je mets tout dans la machine et puis allez on fait tourner. Au moins ça sera propre et ça sera plus à faire, au moins tous mes lavettes ils seront lavés. Donc j'ai mis de la lessive le chaud, je mets du vinaigre blanc et j'ai mis aussi de la bicarbonate de soude mais je ne vous l'ai pas fait voir. Et là j'ai mis 40 comme il y avait mes lavettes et tout ça, et comme 40 ça lave plus à chaud, donc j'ai mis 40. Donc là je reviens aux toilettes, je vais mettre le canard WC. Et j'avais mon téléphone à la main, puis mon produit à l'autre main. Et à un moment, je sais pas, j'ai allé faire tomber ma bouteille. Du coup, j'ai eu du mal. Là, et j'ai stoppé, puis j'ai bien refait. Puis voilà quoi, j'ai posé sur trépied. Et puis, j'ai bien fait. Donc, j'ai bien aspergé partout, 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 partout. Pareil, j'ai laissé agir 5 minutes pour que ça agit bien. Puis ça sent bon, en fait, dans le toilette, en fait, dans la douche. Et de là, j'avais préparé mon seau d'eau chaude avec les bouloirs. Et j'ai lavé le sol avec le Javel Lacroix aussi, mais sans Javel, je crois. Celui-là, il est sans Javel. Je me dis, dans la salle de bain, voilà, c'est bien pour rester dans l'hygiène, en fait. Et j'ai rajouté du vinaigre blanc aussi. Au moins, ça va bien désinfecter tout ça. Donc, dans la salle de bain, ouais, les sols, ça sera toujours lavé avec de la croix, mais sans Javel. Il sent très bon aussi, celui-là. Regardez le vinaigre blanc, je vous l'ai fait voir. Et là, ben, j'ai lavé le coin toilette et tout ça quoi.
Donc là avec les blocs, mettez pas le bloc, vous savez, la languette au-dessus de la cuvette. Essayez, parce que moi, là, ils ont changé mon toilette, donc j'avais du mal à trouver le creux. Mais souvent, donc, regardez dans votre toilette, si vous prenez des blocs comme ça, vous rentrez la langue, enfin, vous la laissez plier comme vous la sortez du paquet, et vous la rentrez dans le creux de votre toilette. Vous avez des creux un peu ou moins pleins que d'autres. Enfin, essayez de... Et vous allez voir, au moins, vous allez faire aller votre chaise d'eau. Déjà, c'est plus propre, et puis c'est mieux, quoi. Vous voyez, je la fais tenir dedans en fait. Ma languette, elle ne dépasse pas au-dessus de la cuvette. Elle est dedans. Et j'ai mis un produit bleu hier quand je vous ai fait voir sur la vidéo des retours des produits. Et de là, je passe, je vous fais voir une petite astuce. Mais de toute façon, cette semaine, il y aura une astuce dans notre chaîne. Donc, vous prenez un coton ou une compresse, peu importe qu'est-ce que vous avez sous la main. Vous mettez quelques gouttes d'huile essentielle. Enfin, quelques gouttes. Moi, j'en mets toujours un peu plus qu'habituellement, quoi. Et vous mettez au fond de votre poubelle. Vous mettez au fond de votre poubelle. Moi, il manquait. J'ai oublié de racheter des sacs poubelles pour la poubelle de salle de bain. Donc, vous voyez, ça, je vais le mettre en dessous, voilà, dans le poubelle. Et ensuite, vous mettez votre sac poubelle dedans, enfin là. Et vous rajoutez un peu de bicarbonate de soude dans votre sac poubelle. Ça va absorber les odeurs et puis ça va sentir bon dans votre poubelle quand vous allez jeter quelque chose. Mais moi, j'avais plus de sac poubelle, j'avais oublié d'en acheter, mes petits chats. Et pareil avec votre papier toilette. À l'intérieur, vous glissez le carton, vous glissez quelques huiles essentielles, vous tournez votre rouleau, vous mettez quelques gouttes. Et vous reposez, enfin moi j'en mets un peu, voilà, sur mon papier aussi. Vous reposez sur votre truc où vous mettez vos papiers toilettes. Et ça va sentir bon. De là, je passe à mon lavabo. Voilà. Et la deuxième partie, ça sera demain, mes petits chats, d'accord? Pareil, mon lavabo, ben, je le nettoie bien avec du produit. Tout ça, j'avais le produit Sif salle de bain cuisine. Donc, j'ai bien tout nettoyé. Et après, j'ai repassé un coup de produit à vitre. Je suis désolée parce que la vidéo, elle va durer plus de 55 minutes. Mais je suis désolée. Donc, une autre astuce. Donc, j'ai lavé, là, je vais laver mes gobelets. On pose les brosses à dents et tout ça, les dentifrices et tout ça, donc c'était super sale. Donc je les ai bien lavés, bien rincés, bien essuyés. Et très important de bien les laver aussi, ça pareil, je le fais une fois par semaine. Donc voilà, je rince bien, tout blanc, je ressuis bien. Oh, j'en utilise à des microfibres quand je fais ma salle de bain, c'est... Vous avez vu, j'ai fait une machine auparavant et j'ai repris deux autres microfibres. Ah, j'en utilise.
J'en utilise. Faudrait que j'en rachète parce que c'est vrai qu'on n'en a jamais assez, quoi. Et après, ben, j'ai relavé les deux, pareil, les deux microfibres blancs. J'ai passé un lavage 15 minutes. Donc, petite astuce, pour laisser tremper vos brosses à dents, vous mettez du bicarbonate de dessous dans un gobelet. Vous mettez vos brosses à dents là. Vous faites chauffer de l'eau très bouillante dans une bouilloire. Vous versez, donc ça va mousser, faites attention. Et vous laissez agir, soit vous le faites au soir, vous laissez agir toute la nuit. Ou soit vous le faites au matin, vous le laissez toute la matinée. Ou l'après-midi, c'est vous qui faites selon votre habitude. Donc voilà mes petits chats. Donc la salle de bain finie, enfin une partie. J'en ai plein mes bottes. Donc voilà, ça brille de mille feux. Waouh. Voilà, tu es bien rangé, j'avais plus qu'à ranger ma bassine là. Mais tout y est propre. Pouf. Après, je suis contente quand c'est propre et tout, franchement. Je suis très 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 contente et très satisfaite. Donc mon toilette, voilà, il sentait bon. Ça sentait trop bon. Donc voilà, je fais un pitch. Regardez, pitch. Il sent trop bon. Donc avec les huiles essentielles et tout ça dans le toile, enfin sur le papier toilette, l'eau, la cuvette et tout ça. Super, super, les sols propres, c'est nickel. La brosse propre, la poubelle propre, tout est propre. Lavabo propre. Regardez, j'ai posé mon gobelet, moi je le laisse toute la journée jusque ce soir. Que ce soir, moi je reprends une douche, je rebrosse mes dents et tout ça et... Donc je laisse bien, de toute façon ça rien. Vous pouvez même brosser vos dents avec du bicarbonate, donc il n'y a pas de danger. Voilà, je vous fais un petit coucou. J'ai mis mon pull de Noël. En plus j'ai remis ici n'importe quoi. Voilà, donc sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Donc j'avais bien frotté mes machines, mon sèche-linge et tout. Hein. Et voilà, j'avais encore une machine. Bisous et à demain!